Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, j'ai la forme. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo achat-revente parce que voilà, j'ai pas l'habitude d'en faire, mais là j'ai trouvé une technique, enfin entre guillemets, j'ai trouvé. Voilà, je suis allé sur des vidéos, voilà. C'est pas mon inventeur, je l'admets, mais bon. C'est une technique que j'utilise maintenant parce qu'elle est très très fiable. Bon, elle fait pas beaucoup de crédit si vous faites sur 2-3 joueurs, certes. Mais elle est très très fiable et elle est très très rapide à faire. Vous ne prenez pas de risque avec votre budget, etc., etc. Mais bon, cette technique va vous falloir la faire avec des piles à 50 joueurs, à 70 joueurs, à 100 joueurs. C'est très très bien. Donc voilà, c'est une technique qui est très très simple. Vous allez dans le marché des transferts, vous mettez niveau or, voilà, et championnat Barclays Premier League. Et vous allez vous mettre à prix max 650 sur le. Et là, quand vous allez arriver sur les transferts, vous allez prendre les joueurs qui vous semblent intéressants. Par exemple, lui, il me semble intéressant. Hop, je fais une offre. Vous mettez en enchère. Enfin voilà, vous mettez en enchère et vous listez tous ceux qui vous semblent intéressants. Voilà, lui il a pas. Voilà, Koné, il me semble intéressant. Rodriguez aussi. Vous prenez que les ors rares. C'est très très important parce que les ors normaux, enfin les ors non rares, ils vont se vendre beaucoup moins cher. Donc voilà, on va en prendre encore un ou deux. Je vais prendre Rondon. Il est à 700 Rondon. On va prendre lui. Ouais. Et voilà. Après, vous allez dans vos objectifs de transfert. Donc vous faites ça plein de fois jusqu'au moment où vous avez rempli votre pile de transfert et d'objectifs transfert. Et là, on peut voir que j'ai gagner. On a encore, voilà, on va prendre un petit Koné que j'ai juste de gagner et là on va lister à, donc on l'a acheté pour 650 et ben on va lister pour 850 et ça va se vendre au moins au bout. Moi je vous dis, je reliste 6 fois et tout se vend en 6 sur 6 relistages, tout se vend à peu près, hein. Pour 70 éléments, après ça peut arriver que ça ne se vende pas, etc., etc. Donc ça vous fait que 200 entre guillemets de bénéfices, mais multiplié par 70, par 100, ça vous fait pas mal de bénéfices en assez peu de temps et surtout la technique est très très fiable. Et ça pour moi, je pense que c'est un des bons points de cette technique, c'est qu'elle est fiable. Vous n'allez pas perdre de l'argent parce que vous aurez mal investi. Là, vous pouvez faire la technique à chaque fois, tout le temps, n'importe quelle heure. C'est très très pratique, je trouve. Donc pour vous dire, moi j'ai fait une fois cette technique, un week-end, j'ai listé le vendredi, soit donc j'ai rempli ma pile, et je me suis fait 20K le dimanche matin, sachant que j'avais relisté 5-6 fois, pas plus. Donc c'est vraiment une technique très très efficace, je vous la recommande. Donc voilà, sur ce j'espère que la petite vidéo achat revente vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ciao tout le monde, c'était Zlatro.